Le BCS l'a fait, Souffle est champion de France de N1 et remonte en Pro B 3 ans après l'avoir quitté. Au terme d'un match serré, le BCS a battu 70 à 65 son dauphin Abré. La joie est immense sur le parquet souffelois et le joueur communie avec le public. Avec ce 32e succès en N1, ils battent le record de victoires à ce niveau détenu par Gris. À Souffle, cette saison, les planètes étaient parfaitement alignées. La médaille est méritée pour le BCS. Si au début de saison, on nous avait dit qu'on serait là le 4 mai, en train de monter avec 3 victoires d'avance sur le deuxième. Capitaine ! On n'y aurait jamais cru et ça a été extraordinaire de la première journée jusqu'à maintenant. Ce qu'on a fait ensemble en tant qu'équipe, c'est quelque chose de fou dans le sport. Je pense qu'au début de saison, personne n'aurait misé une seule pièce sur nous et là aujourd'hui, on a vu la montée avec un matelas en plus, c'est incroyable. Chaque match, chaque fois, on confirmait qu'on était là, qu'on était présent, qu'on était solide. Et on reste invaincu chez nous pour la dernière journée. Et on a, je pense, offert un beau spectacle à ce public qui nous l'a bien rendu. C'est un groupe qui a super bien vécu ensemble, solidaire, qui a travaillé dur. Et voilà, on a fait une équipe avec des mecs qui avaient des vraies valeurs. Et ce soir, voilà, on l'a encore vu, on a eu des coups durs et malgré ça, on a su arracher la victoire qu'il fallait. Après la descente de Pro B à N1, c'était très compliqué. On a fallu faire des choix financiers et j'espérais qu'on n'allait pas s'effondrer. Et Stéphane est resté au club. Alors là, je lui dois beaucoup, bien sûr. On a fait le dos rond, on a laissé passer l'orage, on a assaini les comptes. Et puis, 3 ans après, on revit un truc extraordinaire à Souffle. C'est vraiment fabuleux. Au milieu du public, la famille du BCS fête son titre de champion de France. Un final idéal dans sa salle des 7 arpents. Le BCS ponctue une saison inattendue et retrouve la Pro B.